C'est parti. Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment optimiser, comment booster votre PC, comment vous servir de la pleine puissance de votre PC, tout simplement. Parce que si vous n'avez jamais fait ce genre de paramètres, bah dites-vous tout. Dites-vous, putain, excusez-moi, dites-vous que votre PC n'est pas en pleine puissance de ses capacités, tout simplement. C'est assez fou, mais bon, c'est comme ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ceci. Et aussi, comment enlever tout ce qui ralentit votre PC. Il y a plein de choses qui ralentissent votre PC. Donc ça, faut tout y enlever, tout simplement. Alors, on va faire étape par étape. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ai tout marqué ce que je devais faire dans la vidéo. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Ok, alors c'est parti. Et puis j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment le but. Alors, tout d'abord, on va commencer. Alors, bien sûr, ces deux fichiers-là, ils seront en dessous de la vidéo, sur un lien, comme d'habitude, vous cliquez dessus, vous téléchargez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi du comment. D'accord? Donc, ce fichier-là, il va vous servir tout simplement à désactiver plein de petites choses qui ne servent à rien, tout simplement. Voilà. Donc, soit vous faites extraire ici, par exemple. On va faire ça. Hop là. Hop, tous les fichiers se pointent ici. Voilà. Donc, vous allez faire double-cliquer là-dessus. Disable Wing Tracking. J'espère pas que ça va me déconnecter de la vidéo. Non, c'est bon. Parfait. Je vais vérifier. Bon, c'est bon. Alors, ça va vous permettre de désactiver plein de choses qui ne servent à rien. Je me répète, mais c'est vrai que ça sert complètement à rien. Donc, les services de Windows, tout ça. Donc, vous restez bien sur Disable. D'accord. Hop. Top. Top. Vous enlevez tout. Là, ça vous explique comme quoi tout ce qui est Skype ou Hotmail sur Windows, par exemple, si vous en servez ou autre, bah, ça peut désactiver tous ces services. Moi, personnellement, je m'en sers pas. Je désactive le maximum de choses pour mon PC. Voilà. Hop. Pareil là. Donc là, c'est si vous avez Windows Store, que vous jouez à des jeux vidéo comme Forza, dire au revoir, eh ben, il faut pas y faire, tout simplement. Mais bon, moi, personnellement, je joue pas, donc, enfin, voilà. Et ben, du coup, je fais oui. Vous faites pareil, pareil. Ok? Tout ça, vous avez tout coché. Et ensuite, vous faites go. Alors, vous voyez, en dessous, voilà, avec succès, blablabla. Et vous attendez. Normalement, vous aurez, c'est normal, ça. Vous aurez un petit rapport comme quoi ça a été bien fait. Nanana. Petite patience. Allez. Ta 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 ta. Télé ta 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 ta. Il met un peu de temps quand même. Voilà, ça y est. Et voilà, donc là, ça vous explique comme quoi ça a été fait avec succès, etc. etc. Ok? Et vous faites OK, là, ça va tout disparaître normalement, si je ne me trompe pas. Et voilà, parfait. Donc voilà, première chose de faite. Ok? Deuxième. Alors ça, on va y faire à la fin. Tac. Vu que j'ai déjà installé. C'est pas très grave. Donc maintenant, on va s'occuper. On va aller sur votre PC. Vous allez donc sur ce PC, par exemple. D'accord. Il y a ordinateur. Ok. Je sais pas si je commence par ça ou pas. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'importance. Allez. Vous allez dans ouvrir le paramètre. D'accord, donc là, vous allez directement à propos de. Vous faites paramètres avancés du système. OK? Hop là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est performance. On va là-dessus. Donc, généralement, si vous avez jamais changé ces paramètres de votre PC, vous avez quasiment tout de coché. Alors, après, chacun fait comme il veut. Moi, pour ma part, ça m'empêche pas d'avoir un bon PC. Je décoche quasiment tout, mais je laisse cocher ce genre de choses. Affichage des miniatures au lieu d'icônes. Afficher le contenu des fenêtres pendant leur déplacement. Animer les contrôles. Etc. Et lisser les polices d'écran. Donc, je pars faire le tour de tout ça. Si vous voulez être comme moi, avoir un truc qui booste le maximum possible, et ben vous décochez tout ce que vous avez, enfin, tout ce que moi j'ai décoché. Et voilà. Normalement, vous n'avez que une, deux. 3, 4, 4 cases de cocher, tout simplement. De toute façon, vous ferez pause pendant la vidéo et puis voilà quoi. D'accord? Ok? Et puis ensuite, vous faites appliquer, tout simplement. Voilà. C'est encore des choses bah, qui vont gagner sur votre PC.
Et ça, c'est pour je sais pas, des personnes qui n'ont pas forcément un PC qui soit rapide. Moi, mon ordinateur portable, je m'en sers pas vraiment pour trader, je m'en sers pour faire par exemple des vidéos sur YouTube. Ou des petites. Voilà, je fais des petites bricoles dessus, mais rien d'extraordinaire. Mais sur mon PC bureau où je trade beaucoup dessus, c'est vrai que j'ai tout balayé ce que j'ai pas besoin, quoi. Voilà. Ensuite, tac, 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 tac. Alors, maintenant, on va faire tout simplement ceci. On va quitter ça. Et alors, il me faudrait. Tac, tac, tac. Rechercher. Tapez votre recherche. Alors, vous allez taper MSConfig. Hop. Et voilà. Donc, vous allez tomber sur ceci. D'accord? Alors, pareil, hein, si vous n'êtes pas comme moi, si vous êtes comme moi, bah, vous faites exactement la même chose que j'ai. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez ici. Donc, généralement, si vous n'avez jamais touché à ça, vous ne devez pas avoir de coche. Ça n'a pas dû être coché ici. Donc, vous y cochez. Et là, vous mettez 10 secondes. Alors, si vous voulez, après, vous cochez là, ce rang de paramètres, maintenant, tous les paramètres de démarrage. Tout simplement, pour que chaque fois, ça se passe comme ça. Ensuite. Vous faites option avancée et là, mystère et boule de gomme. Donc voilà, vous avez ceci. Donc celui-là, moi, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement puissant. Celui-là, il a 4 processeurs. Mais voilà, c'est très bien. Moi, ça me va très bien pour ce que j'ai à faire dessus. Et donc, en fait, si par exemple, vous n'êtes pas sûr, si par exemple, je sais pas, enfin, vous ne trouvez pas forcément, vous vous en souvenez plus combien de processeurs il a. Donc, c'est pour ça que je vous ai partagé l'autre petit fichier. Alors, excusez-moi, on va mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, je vous ai partagé ce fichier en plus. Vous avez juste à double-cliquer. Hop là. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Je ne sais pas si ça va passer. Si. Donc, vous faites yes, yes, yes. Vous décochez ceci. Hein, c'est pour lire un texte. On s'en fout. Et voilà. Tac. Ensuite, vous allez là-dessus. Pareil. Vous faites oui. Allez. Ah là, on fait continuer. Et voilà. Grâce à ça, vous aurez toute la puissance de votre PC, tout ce qu'il faut savoir. Et vous voyez, vous avez 4 cœurs et processeur, tout simplement. Vous avez les deux. Ça vous permet de pouvoir modifier ça. Alors, si vous n'avez jamais fait, il ne faudra pas être étonné. Normalement, vous êtes à 1, peut-être à 1 dessus, tout simplement. Alors que bah, vous n'utilisez pas du coup toute la puissance de votre PC. Je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai trouvé ça intéressant de partager tout ceci. Voilà. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Et puis ça, j'ai eu un commentaire, je ne sais plus, ça va être Laurent, je crois. Oui. Il m'a parlé de justement par rapport au PC, hein, qu'il y avait 2-3 petits soucis avec NT8. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais prévu de faire cette vidéo depuis un moment. Et puis du coup, ça m'a fait le déclic de la faire. Donc voilà, tout simplement. Ok, alors on ferme tout ça, on ferme tout ça, vous faites OK, vous faites bien appliquer, vous n'avez jamais fait ceci. Alors ça, par exemple, vous pouvez aussi vérifier tout ce que vous avez qui vous sert ou qui ne vous sert pas dessus. Faites du ménage s'il y a des choses que vous ne servez pas. Franchement, il y a des choses qu'on ne sert pas forcément. Faites du ménage, franchement. Je referai peut-être une vidéo plus explicative là-dessus, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur le PC pour qu'il aille beaucoup plus. Alors, ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok. Donc, ça, on va passer à côté là-dessus. Hop. Alors, maintenant, on va aller dans les paramètres, encore une fois, de votre PC. Et on va faire confidentialité. Alors là, on va taper dans du niveau surveillance. Voilà. Moi, perso, je préfère dégager le maximum de choses et surtout, ça vous pompe encore votre PC. Donc, c'est autant garder un peu d'énergie à notre PC, tout simplement. Alors, moi, par exemple, je désactive tout ceci. D'accord? Parce que vous, normalement, si vous n'avez jamais rien touché, c'est tout activé. Donc, je vais juste vous montrer, tac, comment moi je mets. Après, vous faites comme vous voulez. Je supprime souvent. Hein. Vous pouvez supprimer si vous n'avez jamais fait. Enfin, moi, ils ne peuvent plus y faire parce que j'y désactive. Donc, vraiment, hein, plus de problème. Historique des activités, pareil. Donc là, ça doit être sûrement coché pour vous. Donc si vous n'avez pas envie, ben, vous y cochez, vous décochez, c'est comme vous voulez. Là, je vous parle vraiment au niveau surveillance Windows parce que là-dessus, ça y va pas mal, quoi.
Donc là, par exemple, vous faites effacer tout ce qui est d'activité. Ensuite, vous faites les voix, pareil, je désactive. Localisation, donc si vous voulez que pas votre, si vous voulez que votre PC ne soit pas localisé, par exemple, vous désactivez, vous vérifiez, tac. Ensuite, il y a caméra, voilà. Hop. Alors, le micro, bah, moi je laisse activer, bien sûr, parce que c'est pour la vidéo, pas le choix. Mais sinon, je désactive. Tac. Notification, pareil, notification, ça peut vous pomper pas mal sur votre PC. Vous pouvez désactiver. Information sur le compte, pareil. Hein. Enfin, je veux dire, on est quand même assez surveillé. Un peu de liberté, ça fait pas de mal, j'ai envie de dire. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous montre. Après, c'est vous qui voyez. Vous avez juste à refaire comme moi. Si vous êtes dans le même outil que moi, vous dites, bah ouais, pourquoi pas, j'en ai marre d'être enregistré ou autre. Ben, au moins, tout est effacé grâce à ça. Alors, c'est possible si vous faites une mise à jour de Windows, des fois que ça se remet. Alors, moi, des fois, j'y vois quand je fais une mise à jour, je suis, ah putain, ça s'est encore tout remis. Donc vous faites pareil, vous désactivez, tout simplement. Voilà, radio, autre appareil, arrière-plan, nanana. Et puis c'est tout. Après, vous y touchez pas, tout simplement. Vous n'avez plus besoin d'y toucher. Ah bah ça j'ai enlevé aussi. Et puis bah ça, j'ai désactivé. C'est normal pour faire les vidéos. Il n'y a pas le choix. Voilà. Bah, je crois que j'ai rien oublié. Tac, tac, tac. De toute façon, j'en ferai au pire une partie 2. J'ai voulu vous montrer le plus rapidement possible le maximum de choses à enlever, à désactiver. Système, ouais, ta, 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 ta. Ah, il y a l'alimentation. Alors, l'alimentation, ça pourrait être pas mal aussi. Tac, tac. Ça, c'est mon écran 4K, oui, c'est ça. Hop, batterie. Voilà, paramètres d'alimentation, veille. Vous allez dans paramètres d'alimentation supplémentaires. Alors là, c'est pareil. En fait, sur certains PC, normalement, il y a un autre truc. C'est. Comment ça s'appelle déjà? Oh, j'y ai sur mon autre PC. Ah! Il y a une autre option là-dessus. Excusez-moi, je vais aller vite fait sur mon PC à côté. Ah, je suis bête, j'aurais dû, j'ai pas repensé. Alors, il n'y a pas pour longtemps. Allez, affichage, alimentation, veille. Ah, voilà. Donc, il y a utilisation normale, performance élevée ou économie d'énergie. Économie d'énergie, ça sert à rien, franchement. Si vous voulez vraiment un truc qui est élevé, vous mettez performance élevée. Donc, je sais pas. Si j'ai les mêmes paramètres pour lui et puis pour le mien. Mais sinon, je vais quand même vous dire ce qu'il faut faire. Hop, tac, on va faire sur les deux pareil. Voilà. Parce que PC bureau et puis ordinateur portable, c'est pas pareil. Alors, tout ce qu'il faut faire, là, vous voyez le disque dur. Arrêtez le disque dur après. Donc bah là, vous mettez zéro. Jamais. Tout simplement. OK. Ensuite, il y avait paramètres. USB, pareil, vous désactivez. Et en fait, tout ce que je vous dis de faire, c'est quasiment toujours désactiver. C'est simple. Hop là. Alors, gestion de l'alimentation du processeur. Moi, c'est tout ça, je vous donne ça pour tout simplement augmenter les capacités de vos PC, qu'il aille vraiment au taquet. Et moi, j'ai jamais de problème avec, tout simplement. Alors, stratégie de refroidissement du machin, enfin, état maximal du. Vous faites, si vous voulez comme moi, vous faites tout pareil que moi. Vous ferez pause pendant la vidéo et puis voilà, tout simplement. Voilà. Et bien cette fois-ci, je n'ai rien dû oublier. En tout cas, ben, j'espère que ça vous aura plu. C'est comment booster un peu son PC, comment le rendre plus rapide. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est tout bon. Alors si j'oublie des choses, de toute façon je referai sûrement une partie 2 parce qu'il y a d'autres trucs à voir, mais là j'ai mis les choses les plus importantes à mon sens, tout simplement. Je vérifie. Tac, 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 tac. Oui, machin, associer votre téléphone, c'est pareil, ça j'y associe pas, moi je bazarde tout.
Ah si, si vous avez Cortana, parce que moi je le désactive bah, quand j'ai fait tout simplement mon Windows, quand je l'ai installé. Si vous avez Cortana, c'est pareil, vous pouvez y enlever parce que ça va vous bouffer aussi en énergie, tout simplement. Donc voilà, ben, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Comme d'habitude, ben, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Alors, je reprends la vidéo. Du coup, parce que j'allais vous partager ma vidéo sur YouTube, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié une chose, c'est Windows Defender. Alors, je voulais vous en parler parce que tout simplement, c'est quelque chose qui ne sert à rien et qui plante vos PC, qui ralentit votre PC. Enfin, et puis, en niveau sécurité, il ne vous arrange pas du tout. Donc, je partagerai un de ces quatre dans une vidéo des logiciels d'antivirus de plusieurs styles d'antivirus. Et vous aurez une version complète, bien sûr, comme d'habitude, quoi. Voilà. Et ce sera beaucoup plus efficace que ce que vous avez ici. D'accord? Alors, on va aller là-dessus. Vous faites ce PC, vous faites ordinateur, ouvrez les paramètres. Mise à jour et sécurité. Sécurité, bien sûr. Alors, et voilà. Vous faites clic ici, vous cliquez là-dessus, par exemple. Bien sûr. Alors, bien sûr, quand vous allez des fois installer des logiciels ou autre, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ça vous empêche carrément, ça vous dit autorisez-vous, hein, bref. On sait bien ce qu'on a à faire, j'ai envie de dire. Hein. Bref, voilà. Alors, moi, vous faites gérer les paramètres. Et moi, c'est tout désactivé. Donc, si vous avez jamais fait, c'est tout activé, sûrement. Voilà. Donc, vous pouvez regarder, hein, gérer l'accès au contrôle des dossiers, nanana. Vous pouvez tout vérifier, recevoir une notification, blablabla. Donc voilà, moi tout ça, j'en supprime le maximum parce que ça ne sert vraiment à rien. Et ça ralentit votre PC. C'est ça le pire dans tout ça, quoi, en fait. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé quand même assez important. Hop. Je revérifie. Parce que pendant les mises à jour, des fois, ça arrive qu'ils remettent tout en place. Et bon, c'est pas super. Même ça, hein, j'y désactive. Hop. Hop. Tac. Voilà. Ok, démarrage sécurisé. Hop, 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 hop. S'en fout. Tac. Donc, comme je dis souvent, moins on a de choses sur le PC, à mieux c'est. Et c'est encore mieux pour. Au niveau de la puissance de votre PC, il faut. Voilà. Menace détectée, attention, votre PC est vulnérable. Bref, n'écoutez pas ça. C'est n'importe quoi. Voilà, donc bah, cette fois-ci, j'ai fini cette vidéo. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.